Prince Philippe, deux jours après son accident, il reprend le volant et sans ceinture. Le 17 janvier dernier, c'est toute l'Angleterre qui retenait son souffle. À 97 ans, le prince Philippe avait été victime d'un accident de la route non loin de sa résidence de Sandringham Estat. À bord de son Range Rover, il avait percuté un autre véhicule dans lequel se trouvaient deux femmes, ainsi qu'un bébé de 9 mois. Et si par chance, personne n'a été gravement blessé dans la collision, l'une des victimes garde une dent contre le mari d'Elizabeth I. Et pour cause en Maferroeate, qui affirme avoir vécu un moment traumatisant et douloureux, reproche au père du prince Charles de ne pas lui avoir présenté ses excuses. Je me serais attendu à plus de la part de la famille royale, a fustigé la passagère dans les colonnes du Sunday Mirror. Mais il faut croire que si le prince Philippe n'a pas présenté ses excuses, c'est tout simplement car il n'a pas retenu la leçon / Le 19 janvier dernier, soit seulement deux jours après l'accident, le patriarche de la famille Windsor a en effet de nouveau été surpris les mains sur le volant / Et cette fois-ci, sans même attacher sa ceinture et toujours en vacances dans le domaine royal de Sandringham, dans le Norfolk, le mari de la reine a été photographié à bord d'une nouvelle Land Rover Freelander. Des clichés qui ont fait la une de la presse, et qui ne sont pas passés inaperçus auprès des autorités et... Le prince Philippe rappelé à l'ordre par la police deux jours après son accident de la route. Ayant pris connaissance de l'affaire, les forces de l'ordre se sont rapidement emparées du dossier. Une porte-parole de la police locale précise ainsi que des conseils appropriés auraient été donnés au conducteur. Car oui, être membre de la famille royale ne dispense pas du code de la route / C'est conforme à notre réaction standard lorsque nous prenons connaissance de telles images, montrant ce type de délit, a souligné la porte-parole. Espérons que cette fois-ci, le prince Philippe retiendra la leçon et...